Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dimanche quand vous regardez la vidéo, donc c'est le journal créatif de la semaine. Voilà, alors on doit être au 28e je crois. Alors, juste pour petit rappel, le journal créatif c'est une récap de tout ce que j'ai fait dans la semaine. Que ce soit en broderie, en tricot, en crochet, en diamond painting ou tout autre loisir créatif que j'aurais pu faire. Je vous montre tout ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire cette semaine? Bon, un peu comme d'habitude, hein, ça change pas beaucoup pour l'instant. Le diamond painting, voilà, donc on devait terminer. En broderie, le Bouddha. Alors, dans les broderies de Sabine, de Poussière d'étoiles, je devais travailler sur mon Bouddha, sur ma grenouille et sur le sale mystère. Ensuite, j'avais mon dragon, le Dragon White Book, voilà. Mon jus de carotte de Lily Point, les hérons bleus de Lanart, mon sale Alice au Pays des Merveilles, donc c'est un modèle All Forest. Mon autre All Forest, c'est un sale que Julia organise, donc c'est le Punky of Autumn, je crois. Le sale de ma maison météo. Et le sale du nouvel an. Je ne pense avoir rien oublié en broderie. Ensuite, il y avait les tricots. Voilà, donc le débardeur de chouchou, mon pull fil d'art et mon pull camionneur. Et bien sûr, les couvertures météo. Donc, la 2023 et la 2024. Donc, j'avais quand même pas mal de boulot de prévu. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par le diamond painting. Donc, le diamond painting... Ah, je crois que j'avais perdu une perle. Est terminé. Voilà. Le voici terminé. Non. Si, il manque une perle. Ah, j'ai perdu une perle. Mince. Bon, ça y est, j'en remettrai une. Donc, voilà. Mon DP. Il est très joli, très sympa. Il a été très agréable à faire. Voilà. Il est super brillant. Voyez. Donc, je rappelle, il est très, très brillant, mais il n'y a pas du tout de perles AB hein, dessus. Ce sont des diamants ronds tout à fait normaux. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'est une affaire de fête. Voilà. Non, mais j'ai bien aimé le faire. Je ne sais plus combien de temps on a mis pour le faire. Un mois et demi, je crois, deux mois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le temps passe tellement vite. Alors, bien sûr, je vais mettre un autre DP en route, mais je ne l'ai pas encore préparé. Je l'ai là avec moi. Hop. Je n'ai pas eu le temps de le préparer. Donc, je vais le préparer cette semaine. Voilà, et je ferai comme j'ai déjà pu faire les fois d'avant. Fifi, elle gratte le tabouret. Fifi, arrête. Parce que toujours maman, tu m'intéresses. Donc, je vais le préparer cette semaine. Je vais faire les cases, tout. Et je vous ferai choisir les cases. Alors, soit que je vous...
Comment je vais faire? Je vais soit vous mettre un message dans la communauté ou alors, bon, je verrai, je verrai. Je vous ferai une petite vidéo pour la préparation peut-être ou je ne sais pas. Je vous montre pas tout de suite ce que c'est. Voilà, c'est un truc rigolo. Ça va changer. Bon, il va y avoir du fond hein, quand même, mais bon, c'est pas très grave. Ça va changer. Et donc celui-là, c'est pareil. Je sais, je vais voir en combien de cases je le mets. Il y aura minimum 16, je pense, 16 cases. Je pense que c'était, ça allait très bien avec 16 cases. Donc, je pense qu'on continuera comme ça. Donc, ça, vous le voyez bientôt sur la chaîne. Voilà, en diamond painting, c'est tout. Oui. Maintenant, la broderie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La broderie. J'ai commencé dimanche par la broderie de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Donc, c'est un sale que j'organise sur mon groupe. On doit faire 1000 croix, environ 1000 croix par mois. Voilà. Hop. Voilà où j'en suis arrivée. Donc, c'est un modèle All Forest. C'est un modèle gratuit que vous pourrez vous, hop, 1, 2, 3, que vous pouvez retrouver sur le site de All Forest. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc là il me reste une colonne à faire. Alors, rien que l'arcade, je ne sais pas si je serai. Je pense que je serai déjà aux 1000 points, mais je suis pas sûre. Je regarderai. Parce que là, je le fais à la manière ancienne, hein, papier-crayon. Puisque on n'a pas su le mettre sur Pattern Keeper, celui-là. Donc, mais si je ne suis pas aux 1000 points, il y a encore deux colonnes ici de chaque côté qui viennent avec des cœurs, tout ça. Donc, je verrai. Voilà. Donc, il est fait sur une toile étamine 12,6, 12,6 fils, pardon. C'est couleur vert olive et c'est une toile que j'avais eue à la maison du canevas. Voilà. Alors, désolée, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Je prends des antidouleurs en ce moment et je crois que ce sont des bons antidouleurs. Et du coup, ça m'assomme un petit peu. Mais et de faire hein. Voilà. Ensuite, j'avais fait quoi? Bah encore un All Forest. Donc celui-là, c'est celui que l'on fait avec Julia. Donc c'est le sale de Julia. Alors attendez, je cherche après. C'est pas celui-là, c'est peut-être ça. Non, il commence à y avoir trop de broderies dans mon sac. Non plus, bien sûr. Vous allez voir, c'est le dernier. Hein. Non, oh là là, non. Ah, bah alors, je l'ai mis où? Est-ce que ce serait ça? Oui, c'est ça. Alors. Oui, voilà. Alors là, avec Julia, le sale de Julia, pareil, on doit faire 1000 croix par mois. Ça y est, mes 1000 croix sont faites. Donc cette broderie-là va rester dans mon sac bah, jusqu'au mois prochain, jusqu'au mois de mars, parce que j'ai fait mes 1000 croix du mois. Bon, je pourrais continuer hein, si je veux. Mais ça va me permettre d'avancer sur mes autres ouvrages. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait la feuille ici.
Je crois que je n'ai fait que la feuille. Oui, j'ai fait la feuille. Et donc la feuille faisait 430 croix. Voilà. La feuille. Oui, j'ai fait que la feuille. Enfin, je réfléchis. Non, je suis bête. J'ai fait la feuille et la citrouille ici, je crois. Voilà, oui. Oh, je ne sais plus, j'ai pas la photo de. Mais bon, vous aurez vu par rapport à l'image que j'aurais mis. Bon, voilà. Ça avance bien. Et elle est très très jolie. Voilà. Donc là, ce mois-ci, alors là, j'ai fait 430 croix. En tout, il y a 6145 croix de fait. Et j'en suis arrivée à 48,67%. Voilà. Donc, bah, on est au milieu, hein, de la broderie. Et je l'aime toujours autant. Voilà. Chouette, chouette, chouette. Là, faut que je lui trouve, je vais essayer de lui trouver un beau cadre. Alors, en ce moment, il y a des jolis cadres. Mais bon, là, c'est des petits, malheureusement. J'espère qu'ils vont en remettre chez Action. Mais il faudrait bien un joli cadre qui fait un peu ancien ou pour pouvoir l'encadrer pour que ça ressorte bien. Ensuite, j'ai fait ma broderie. Ah, la voilà, du premier coup, oui. Ma broderie dragon. Alors j'ai bien avancé dessus. Je suis contente. Depuis que maintenant on a réussi à mettre la grille sur Pattern Keeper, ça avance tout seul. Enfin, tout seul. Faut que je brode. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai avancé ici la queue, je crois. J'ai avancé dans le livre. Bon, j'ai avancé pas mal de choses. Voilà. Alors, le dragon, j'ai fait 506 croix cette semaine. Donc, en tout, j'en ai fait 1139. Et je suis arrivée à 32,74%. Vous voyez? Donc, c'est une broderie qui va assez vite, hein, qui va aller assez vite à faire. Alors, elle, j'ai déjà, normalement, j'ai pas vérifié la taille, mais normalement, c'est bon. J'ai trouvé son cadre, donc je suis tranquille pour celle-là. Maintenant, j'ai hâte de la terminer. Avec toutes les péripéties que j'ai eues avec, j'ai vraiment hâte de pouvoir la finir. Hop. Désolée pour le bruit, hein, c'est le bruit des pochettes. Allez. Voilà. Ensuite, oui, celui-là. Non, ah, bah, décidément, ça doit être. Oui, c'est celui-là. Alors, ma broderie des hérons bleus de chez Lanart, que j'aime toujours autant. Faire, voilà, elle est très très agréable à faire. Voilà où j'en suis. Bon, c'est vrai que moi, des fois, je sais qu'il y a des personnes qui brodent vraiment ligne par ligne comme ça ou comme ça. Moi, non, hein, je fais un peu couleur par couleur, donc c'est fait qu'il y a des trous, hein, des fois dans la broderie. Alors après, je reviens dessus, voilà. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas broder. Enfin, si, je saurais le faire. Mais ça m'énerverait. Donc voilà. Elle est toujours aussi belle. Elle avance bien. Et j'ai hâte qu'on puisse quand même bientôt découvrir
Ici, je crois que c'est ici qu'il va y avoir une tête de héron. Voilà, je ne sais plus. Ça, c'est le cou, je crois. Ouais, je crois que ça, c'est un cou des deux hérons. Mais voilà. Alors, celle-là, il n'y a pas de nombre de croix puisque je la fais à la manière ancienne, crayon papier. Donc, je ne sais pas combien de croix j'ai fait dessus. C'est pas grave. Principal, c'est qu'à l'avance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ensuite? Le Bouddha. Bouddha, Bouddha. Non, c'est pas toi. Je vais finir par mettre des petites étiquettes. ici, voilà. Alors, il a bien. Enfin, il a avancé. Voilà. Il a avancé. Alors, par contre, je suis pas sûre du pourcentage que j'ai marqué. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors, je vais devoir quand même bouger un peu ma toile là, parce que j'arrive là-haut. Voilà. Donc, comme vous voyez, là, cette fois-ci, j'ai travaillé ici dans l'oreille et j'ai commencé à monter sur la tête. Voilà. Bon, il y a quand même quelques croix qui ont été refaites par-ci, par-là. Mais voilà. Alors, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le voir terminer, de voir le résultat. Et je crois que mon choix de toile était le bon parce que ça, je trouve que ça ressort pas mal. Donc c'est une toile bleu ciel, donc pareil, étamine 12.6. Et le fait d'avoir pris une toile bleue alors que c'est brodé, pour ainsi dire, tout en bleu, je trouve que ça ressort très bien. Voilà. Ah, et j'avance bien, elle est pas mal. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui presse, hein, mais voilà. De toute façon, aucune broderie, rien ne presse. Mais je voudrais bien avancer quand même. Je dis que ça presse pas, mais je voudrais avancer quand même, parce qu'il y a des projets qui sont en train de se rajouter. Vous allez voir ça après. Mais là, après, c'est tout. Je rajoute plus rien parce que. Alors, le héron, le Bouddha, le dragon, le All Forest, tout ça, je vous les mets. Ah oui. Ah, pourquoi je fais ça? Parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, je vous explique. Mes carottes. Alors, attendez, je vais, hop, je vais mettre l'aimant au milieu. J'ai avancé de ce côté-ci cette fois-ci. Mais mon feuillage est plein d'erreurs. J'arrête pas de trouver des erreurs, d'en faire. En fin de compte, je m'en fous, je ne les monte pas. Il n'y a que ici, j'ai commencé à démonter un petit peu parce qu'il y avait quand même un très très grand décalage. Normalement, ça devait arriver jusque-là. Et donc il manque quelques croix. Donc là, bon, comme il n'y avait pas grand-chose, j'ai commencé à le démonter. Je dois encore démonter le bout ici. Voilà. Mais sinon, quand il y a des erreurs, je laisse tel quel. De toute façon, ça ne se voit pas. C'est du feuillage. Voilà. Je m'arrange. Je vous l'ai dit, c'est ma petite touche perso. Au moins, je n'aurai pas la même broderie que les autres. mais il est temps que je la termine. Je n'en peux plus. Je n'en Et justement, je crois que c'est ça, c'est le fait d'en avoir marre
de faire cette broderie, alors que je l'adore, mais j'en ai marre de la faire et d'en avoir marre, c'est ça qui me fait faire des erreurs, je crois. Donc, je bidouille, je bidouille, je bidouille, et puis bon, voilà, ça se voit pas. Hein. Mais là, il est vraiment, vraiment, vraiment temps que je la termine. Je ne peux plus. Alors, les prochaines lily points que je ferai, je vais faire attention qu'il n'y ait plus ce genre de motif dessus. Parce que là, c'est pour ça aussi que c'est très rare, à part comme cela, bon, là, c'est pas que je brode des végétaux, des fleurs, des voilà. C'est très, très rare que je brode ça. Parce que, en fin de compte, je trouve que c'est long à faire. Il y a beaucoup de mélanges de couleurs, de changements. Et du coup, c'est vrai que tout ce qui est fleurs, végétaux en général, j'essaye d'éviter. Là, j'avais fait cela, mais ceux-là sont faciles. Hein. Et ceux que je suis en train de faire en ce moment, pareil, sont faciles. Donc, c'est pas pareil, mais quand c'est très réaliste comme là, comme sur Lily Point, c'est j'en peux plus, je n'en peux plus. Celle-là, je vais vous la montrer après. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ma grenouille. Oui, j'ai fait ma grenouille. Oh, la vidéo va pas être très longue, j'ai l'impression, cette fois-ci. Alors, elle est où ma grenouille? Ça, c'est quoi? Ah oui. Ma grenouille, elle est là. Alors, à l'avance aussi. Pareil, je voudrais qu'elle se termine. Pas parce que je l'aime pas, hein, c'est pareil. Mais j'ai besoin de qu'elle se termine également. Alors, attendez. Oups, mon aiguille. Attendez. Attendez, je raccroche mon aiguille parce qu'elle s'est défaite. Voilà. Alors là, bientôt, il va falloir que je change le tambour. Voilà. Alors, j'ai avancé ici. Alors. Je vais bidouiller. Je vous dis, moi, il y a toujours au moins une erreur ou deux dans mes broderies. Pourtant, je fais gaffe, hein, mais j'ai un décalage sur ce feuillage ici d'une croix. Donc, une croix, on s'en fout, on laisse, on bidouille. De toute façon, là, vous voyez, ça y est, je suis en train de faire la papate, là. Donc j'ai fait cette semaine, mais là c'est pareil, je vous avais dit hein, depuis le début, il y a une erreur ici sur cette verticale, non horizontale, pardon, ici. J'ai pas trouvé l'erreur et je ne veux plus, je vais pas démonter. Hein. Donc vous voyez, on commence à la voir la papate là. L'erreur, on la voit ici, mais elle est là quelque part. Hein, mais du coup, ici, ça, il y a un décalage. Donc, c'est pareil, je bidouille. De toute façon, c'est pour moi. Donc. Mais elle est très, très bien comme ça. Mais elle est très jolie. Alors, ça, c'est une broderie de Sabine de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Non, j'ai pas bossé dessus. Ça, non. Alors, après, je vous montrerai la grande. Je continue avec les petits. J'ai avancé pas beaucoup. Franchement, j'ai pas avancé beaucoup, mais ça avance. De toute façon, j'ai encore quoi
12 jours hein, pour la finir, 12-13 jours, donc ce sera bon. Donc ça, c'est les fleurs que je fais en duo avec Céline. Donc là, j'ai fait tout le rouge, enfin il n'est pas fini, hein. Le rouge, on le brode sur le jaune. Donc j'ai fait tout le rouge là. Donc vous voyez, bon, j'ai pas fait grand-chose, hein, mais de toute façon, quand on regarde derrière, vous voyez. Mais ça avance. Ça, après, ça va aller, hein. Il suffit que je me mette dessus déjà 2-3 heures et ce sera super, super bien avancé. Donc voilà. Mais cette semaine, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai fait des choses aussi pour le groupe, mon groupe Facebook. J'ai eu des choses perso à faire. Voilà. Alors, ensuite, ma maison météo. Dans mon grand sac. J'aime bien ce sac. Alors, je retire. Parce que là, du coup, il est sur le grand métier en bois. Alors là, j'ai bougé, je l'ai recentré sur mon métier. Et vous allez voir que là, j'ai bien, enfin, je trouve que j'ai bien avancé. Une, deux, trois, quatre fenêtres. J'ai fait les quatre fenêtres. J'ai démarré le mur, là. Voilà. Donc là, je suis au bout de la maison. Vous voyez, là, c'est au bout. Donc voilà, ça y est. La première ligne de fenêtre est presque terminée. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, je ne savais plus combien j'avais de fenêtres. J'ai 11 fenêtres sur une rangée. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé le mur pour savoir où j'étais arrivée. Voilà, les petites décos qu'il y a sur le mur. Là, j'ai commencé à faire le marron. Là, j'avais commencé aussi, puis après, j'ai arrêté. Je commençais à plus voir clair. Donc j'ai arrêté. Et là, toute ma semaine, température est faite. Donc dans cette fenêtre. Alors vous voyez qu'en ce moment, les températures elles sont toujours à peu près pareilles. Là, il y a eu du vert cette semaine parce qu'on a eu 16 degrés. Donc en plein mois de février et dans le nord, on a eu 16 degrés. Voilà, une journée. Sinon, en ce moment, la moyenne, elle va entre 11 et 13 degrés. C'est pas top, hein, mais bon. Enfin, au moins, c'est pas froid, mais c'est pas normal. Voilà. Donc, je suis contente, c'est d'être arrivée au bout du mur, là. Voilà. Comme ça, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Déjà, pour faire mes fenêtres, finir le mur. Le toit, et après, bon, il y a toutes les petites. Et j'ai des petites choses que je vais faire, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Quand je serai pour le. Alors, je sais pas si je vais les faire en même temps que je fais ma maison ou si je vais attendre la fin pour le faire. Faut que je vois. Je vais faire l'essai, un petit essai dans un coin. Si je vois que ça gêne pas, je continuerai à le faire au fur et à mesure. Sinon, je le ferai à la fin de la broderie. Mais je vous en dis pas plus. Voilà. Donc là, il faudra que je termine mes lignes. Alors là, j'ai une ligne de fenêtre à terminer. Donc en jaune et en marron, puisque là, elles ne sont pas faites du tout. Là, pareil. Là, il me reste du coup. Alors attendez, là maintenant, je peux compter. Là, il me reste deux fenêtres. Deux en bas. Celles de tout en bas, je crois qu'elles sont faites. Et là, il m'en reste une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il m'en reste six à faire ici.
De là. Et tout en bas, je crois qu'elles sont faites. Je crois que je les ai toutes faites, mais. Attendez. Non, il m'en manque deux aussi en bas, mais de ce côté-là. Voilà. Et celle de l'autre côté, les quatre sont faites, mais il y en a une qui n'a pas sa boiserie. Donc ça, la boiserie, ça va vite à faire. Oh, pardon, je vous ai bousculé. La boiserie, ça va vite à faire. Mais ça va. Je rattrape. Mais comme on dit, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, hein, puisque ça, c'est une grille que j'ai dessinée moi-même. Et ben, je ne suis pas en avance. Voilà. Mais je suis contente. Je suis contente. Et la petite idée que j'ai dans ma tête, là, de ce que je veux faire, j'espère que ça va marcher. On verra bien. J'espère. Là, il reste. Alors, février, il nous reste. On est quoi? On est combien? 18. Hein. Donc, il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7. 8, 9, 10, 11. Il me reste 11 vitres à faire. Donc là, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, voilà. Pour finir le mois. Donc là, il faut que je finisse mes vitres. Et là, il y en aura. Mince, je viens de compter. J'ai dit combien? 11. Alors, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, voilà. Là, il y aura 3 vitres pour le mois de février, si je compte bien. 11, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il y en aura 4. Voilà. Je vais y arriver. Donc là, ici, il y aura 4 vitres qui seront dans le mois de février. Et après, on attaquera le mois de mars. Voilà. Et ça va vite, hein, on ne dirait pas, mais les jours passent à une vitesse phénoménale. Donc, voilà. Allez. Bon. Il est bien le sac, mais il est grand. Voilà. On va le mettre derrière, on aura plus de place. Alors, ce que je n'ai pas fait cette semaine, j'étais parce que j'étais fatiguée, je n'ai pas fait ma broderie du dimanche. J'étais trop fatiguée, donc j'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Allez, où es-tu? Voilà, la broderie mystère, le sale mystère de Sabine, je ne l'ai pas fait cette semaine, donc j'en suis toujours là, voilà, et ça y est, maintenant on sait ce que c'est la bébête. Bon, je m'étais complètement plantée, hein. Je ne vous le dis pas parce que je ne peux pas spoiler pour ceux qui ne le savent pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'étais complètement plantée. J'avais dit un chat ou un lapin, mais c'est pas ça. Mais c'est une jolie bébête. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ben là, c'est tout. Oui, alors je fais une pause de juste de 2 secondes, mais pour vous, je suis là tout de suite, juste pour remettre les broderies dans le sac, parce que là, il y en a partout, et on se retrouve tout de suite. Voilà, me revoilà, ça va, j'ai un petit peu plus de place. Alors, je n'ai pas terminé la broderie.
Vous avez pu voir juste avant, j'ai mis hier deux vidéos déballage de mes commandes, donc une de chez de Mère en Fille et une d'univers de l'univers broderie. Voilà. Donc vous avez pu voir que j'ai choisi la toile rose. Voilà. Alors, je l'ai déjà. Alors, je vous explique. J'ai fait quelques points tout à l'heure. Enfin, j'ai monté sur mon métier, mon deuxième métier en bois. Et j'ai dit, ben, je vais faire deux, trois points tout de suite, comme ça, juste pour m'amuser. J'avais mis la grille sur mon pattern keeper. Bon, tout allait bien, mais sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Donc, j'ai fait le point, j'ai noté le point pour le centre de la broderie, tout ça. Et j'ai commencé à broder, heureusement, pas beaucoup. Il y a une centaine de points seulement. J'ai commencé à broder. Et du coup, je regarde en même temps sur la page de garde pour me repérer vraiment où je suis. Je regarde, c'est bizarre. J'ai noté le milieu, mais je suis en train de faire le motif tout en bas. Il y a un truc qui va pas. Donc, je vérifie. Je regarde sur mon pattern keeper, du coup je diminue pour voir toute la grille en entier. Problème. La grille, c'est. Alors, je sais pourquoi maintenant, je vais corriger ça demain. La grille s'est enregistrée deux fois, mais à la suite. Si vous voulez, j'ai deux fois la grille sur la même grille. Et du coup, sur le coup, comme c'est un monochrome, sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Donc, j'ai voulu commencer aujourd'hui, donc samedi. Mais là, il faut que j'enlève ce que j'ai fait. Quand je vous le dis. Mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, je n'avais pas fait grand-chose. Donc, ça va s'enlever très rapidement. Alors en même temps, mais je vais vous refaire une vidéo dans les vidéos de déballage de mes achats. Je vous ai montré que j'ai acheté des nouvelles aiguilles comme ça, cher, mais comme ça. Donc, ça, je vais vous refaire très certainement une petite vidéo dans la semaine pour vous montrer. Donc, voilà. Alors. Je sais pas si mais la couleur, vous n'allez pas bien voir. Hein. Donc, c'est la toile rose. Oui, par moment, on voit, par moment, on ne voit pas. Et donc, je brode avec le numéro 550, c'est-à-dire le violet. Et j'aime bien. Ça va. Ça ressort bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ben ça, demain, je vais le retirer. On donnait un tout petit coup de fer là au milieu pour redétendre la trame pour pas qu'elle soit abîmée. Et puis je vais bien remettre. Alors, soit je remets bien sur Pattern Keeper comme il faut, ou soit je fais à l'ancienne, comme c'est un monochrome, c'est pas très 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 grave. Papier crayon et puis voilà. Alors, je vous montre. Donc, c'était pour faire quel modèle, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Donc, c'est pour faire les pans royaux. Voilà. Donc, c'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle payant, mais il est à 8 euros et des brouettes en PDF. Ça sert à rien de l'acheter en papier, hein. Il y a en PDF, donc en papier vous allez payer les frais de port en plus, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Donc j'ai commencé et bon si j'avais pas fait, enfin l'erreur, j'ai pas fait exprès, hein, c'est parce que j'ai pas vu tout de suite. Mais bon, heureusement, enfin j'ai quoi une centaine de points,
Donc ça va aller vite à retirer et ça va aller vite à refaire. Voilà. Mais, comme je trouve que je n'ai pas assez de boulot, et en même temps j'ai donné du boulot sur le groupe. Alors attendez, vous voyez mon gros nez. Alors je n'ai pas terminé, hein. Voilà. Ça c'est ce que je dois bobiner. Et je vais mettre ça sur le côté. Et j'ai déjà bobiné ça. Voilà. Vous allez me dire pourquoi. Donc c'est pour une. Alors là, je n'ai pas tous les fils encore. Hein. Je n'ai pas fini de trier mes boîtes de fils. Je n'ai pas encore tous les fils avec moi. Ceux-là, c'est ceux que je vous ai présentés dans la vidéo précédente de chez Univers Broderie. Là, c'est du DMC. Donc j'ai brodé avec du chinois et du DMC. Ça pose pas de problème. Mais là, c'est parce que c'est les nouvelles références. Et en chinois, on ne les a pas. Donc, j'étais obligée de les prendre en DMC, mais c'est pas grave, hein, loin de là. Donc, ça, c'est pour une broderie. Cette semaine, je me suis amusée à prendre des images et à les transformer en grilles de broderie. Voilà, donc elles sont sur mon groupe. Elles sont sur mon groupe de broderie et donc j'ai fait quoi? Alors c'est les trois sont un peu sur le thème du steampunk, un enfant clown avec un peu de steampunk sur son chapeau et deux femmes steampunk. Alors, voilà celle que je vais faire. Alors, je dis en premier, mais bon, je ne sais pas si je pourrais faire les trois, hein, parce que c'est vraiment deux modèles assez lourds, enfin assez gros. Voilà. Parce que celle que que l'on va faire, donc il y en a assez sur le groupe qui vont le faire également. Donc là, c'est la grille. Voilà. En tout, il y a 150 couleurs. 150 couleurs et en taille. Attendez, je n'ai pas pris mon cahier. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, 150 couleurs, 187 échevettes en tout. Ça va faire 425 points sur 283 points, ce qui fait que moi j'ai calculé pour une toile Aïda 7. Alors je vais arrondir, hein. C'est 51 cm sur 71 cm. En Aïda 8, c'est 46 cm sur 64 cm. Une toile 11 fils, ça va être 62 cm sur 88 cm. Et la 12 fils, 12,6, comme moi je vais faire, c'est 55 centimètres sur 78 centimètres. Et toutes ces mesures sont avec 5 centimètres de marge, bien sûr. Donc moi je fais la 12,6 et donc ma broderie avec les marges, ça fera 55 sur 78. Je vous ai dit, j'ai enlevé les virgules, hein, j'ai arrondi au supérieur. Le dessin en lui-même, il fait environ 40 sur 60 cm. Voilà. Donc, c'est quand même une belle bébête. parce que là, elle va quand même être brodée en 12,6. Donc, ça va être du petit point. Hein. Voilà, donc le PDF, le nombre de grilles sur le PDF est de 20 pages. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, rien. Donc il va y avoir beaucoup de bleu.
Il y aura beaucoup de bleu, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et sur le groupe, beaucoup l'ont aimé. Il y en a qui vont la faire. Je vais vous montrer les deux autres que j'ai fait également. Alors, elles sont tout, 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 tout. Ah, je les ai laissées. Attendez, juste une petite seconde. Voilà, le temps que je la retrouve. Je l'avais enregistré pourtant, mais allez, mon petit, ah voilà, la voilà. Hop, que je, allez, voilà. Donc la deuxième, la voici. Elle est trop trop belle aussi celle-là. Donc celle-là, elle, je crois qu'elle est dans les mêmes mesures. 425 sur 240 points. Là, c'est une 34 sur 60. Elle est un tout petit peu plus petit en largeur. 150 couleurs également avec 167 échevettes. Voilà, et en moyenne, pour ça va de 5. Attendez. Bon, pour une 12,6 comme moi que je travaille, il faut une toile de 49 cm sur 78 avec la marge de 5 cm. Et par exemple, une toile Aïda 7, ça fait 45 sur 71. Voilà. Là, on se file, c'est la plus grande, ça fait 54 sur 88 cm. Donc, c'est kiff-kiff à peu près à la deuxième. Et l'enfant clown, alors il est où l'enfant clown? Ah, il est là. Il est trop beau aussi. Oh, j'ai trop envie de le faire également. Mais bon, regardez-moi ça. Voilà. Donc celle-là, je l'ai fait en gris également. Il est trop trop beau. Petit clown de steampunk là. Et lui, 41 sur 60 cm, le dessin, 150 couleurs, 176 échevettes. Et il fait 425 points sur 291 points. Voilà, donc les tailles sont, pour ainsi dire, à peu près pareilles. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Des fois, je réfléchis, je me demande si je ne commencerai pas par lui, faire la bleue après. Mais bon, je ne sais pas. J'ai les trois que je voudrais faire, mais là, c'est impossible. Parce que, bah, vu le nombre de broderies que j'ai en cours. J'aurais qu'une seule broderie en cours, ce serait pas grave, mais là j'en ai trop en cours. Et bon, peut-être que je la ferai, hein, peut-être, qui sait. Donc voilà. Ça c'est. Voyez, regardez, l'image, on la voit mieux là, la bleue. Voilà, regardez. Elle est trop belle! Trop belle. Donc voilà. Mais ensuite, j'étais en discussion très sérieuse avec Sabine, donc de la boutique Poussière d'étoiles. Je sais plus de quoi on parlait. Ah oui, parce que j'avais une fille du groupe qui me demandait si par rapport à une broderie Sabine, si on pouvait pas la faire en salle et tout ça. Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas, mais bon, je préférais demander à Sabine. Donc Sabine m'a dit oui, aucun problème, là-dessus, pas de souci. Et en lui parlant, je vais sur sa boutique et je vois, je l'avais pas vu moi cette semaine encore, j'avais pas vu les nouveautés, j'avais pas eu le temps d'aller voir. Et je suis tombée,
en adoration sur cette broderie. Hop, voilà. Sur le colibri, voilà, qui est sorti cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est une nouveauté, donc qui est sur la boutique de comment de Sabine. Et je lui dis, oh, il est trop beau. Et si on faisait ça en salle, si j'organisais celui-là en salle, il m'a dit ok, mais bon, là bien sûr la grille est payante. Celui que je voulais faire en premier était gratuit, mais là la grille est payante. Mais il n'y a pas eu de souci, les filles ont dit oui tout de suite, donc il y en a beaucoup qui ont dit oui. Et donc on va faire ce salle. Là il va durer 6 mois, il commence le 1er mars. Là par contre, pour faire ce salle, il faut obligatoirement être inscrite sur mon groupe, parce que je veux voir le suivi. Sabine, c'est pareil, elle, comme ça elle aura le suivi, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Donc là, les personnes qui veulent faire ce salle doivent être obligatoirement inscrites sur mon groupe de broderie. Et il faudra acheter donc la grille sur la boutique de Sabine. Mais Sabine a offert un code promo que je ne donnerai pas ici, hein, puisque je vous dis, là c'est vraiment un salle privé sur le groupe. On peut venir, vous pouvez venir vous inscrire, hein, il n'y a pas de souci, mais vous serez sur le groupe obligatoirement. Elle donne un code promo pour pouvoir acquérir cette toile, voilà, et elle va offrir un cadeau en même temps. Dès que tout le monde aura passé ses commandes, elle va faire un envoi groupé pour offrir un cadeau. Donc voilà. Du coup, on démarre ce salle le 1er mars. Moi, cette semaine, je vais donner le plan de découpage des cases. Donc là, ça va être, il va y en avoir 6. Ça va faire peut-être un peu comme le salle mystère de Sabine. Il va y avoir des cases où ça ira très très vite à broder. Et il va y avoir une ou deux cases où ça va être un petit peu plus long, puisqu'il y aura plus de croix à cet endroit-là. Mais voilà, c'est pas comment je vais dire, c'est pas une très très grande broderie, donc ça va aller très vite. Je suis en train de regarder justement pour vous donner les alors poussière, voilà, il est là, pour vous donner la taille. Alors, où es-tu, petit? Alors, bien sûr, c'est comme toutes les broderies que Sabine sort. La plupart du temps, vous avez l'aimant à aiguille. Là, il y a l'aimant à aiguille, il y a le stickers et il y a le trifil. Avec le même dessin, donc qui est sur la boutique. Donc alors je suis, ah voilà, ça y est, je l'ai retrouvé, hop, voilà. Donc ça, vous pouvez, vous, si vous faites le sale et que vous voulez vous acheter, ben, la panoplie on va dire, le code promo lui ne marche que sur la grille. Ça, c'est tout à fait normal, mais vous avez le code promo qui ne fonctionnera que sur la grille. Alors, c'est un modèle qui fait 170 points sur 180 points. Voilà, donc c'est pas une grosse broderie, hein. Ça fait 170 sur 180. Ça va faire une trentaine de... Attendez. Je dis ça tout de suite. Alors, 170 sur 180. Allez, on va
Bon, je me base déjà sur la toile comme moi. On met 5 cm de marge. Hop. Ouais, ça fait 37, 37 sur 39. Si on prend une 12 fil, 12,6, si on prend une Aïda par exemple, on va prendre une Aïda 14, c'était une 5,5. Ça va vous faire 41 sur, j'arrondis toujours au chiffre supérieur, ça vous fait 41 sur 43 cm. Voilà. Mais c'est une partielle, donc c'est pas comment, de la couverture complète. Donc il n'y a pas de problème. Et si vous la faites en 7, elle fait 35 sur 36. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une grosse, grosse, grosse broderie. Et comme je vous ai dit, c'est une broderie qui est partielle. Donc je vous la remontre. Non, je n'ai pas les commentaires. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est encore un nouveau projet. En sachant que j'ai aussi toujours mon tigre à commencer à préparer. J'en ai une autre. J'ai plein de broderies à faire, mais. Je crois que je ne vais pas avoir assez d'une vie pour les faire. Voilà, donc les nouveaux projets en broderie. Ouais, je crois que c'est bon, j'ai plus rien. Si, encore une broderie, mais que je la ferai entre deux. Je vais attendre d'avoir terminé le dragon pour faire celle-là. C'est pour faire la. Alors, je vais vous la remontrer, mais vous l'avez certainement vu dans une des deux vidéos précédentes que je vous ai mis hier. Voilà, donc c'est la The Forks de Cottage Garden. Voilà, allez, c'est celle-ci. Il était trop joli, le renard. Trop beau. Donc, elle fait un peu. C'est un peu un modèle d'hiver, on va dire. Mais elle est très, très belle. Et là, j'ai la toile, j'ai les fils, j'ai tout hein, pour la faire. Vous avez vu dans la vidéo. Puis là, c'est pas une grande. C'est vraiment pas une grande. Donc. Je ne sais plus combien elle fait, je crois que ça doit être 18 sur 25, un truc comme ça. Alors attendez, ben la voilà ici. Alors, si je prends du 12 fil, c'est la toile étamine que j'ai pris avec, elle fait 16. Bon, j'apparais, je vais arrondir. Elle fait 17 cm sur 22 cm. Donc, et pareil, c'est une partielle. À part le renard, c'est tout des trucs qui vont vite à broder hein, autour. Vous voyez, voilà, il n'y a que le renard qui est. Donc, ça, je vais très normalement, très certainement, attendre que j'ai terminé le dragon. Et après le dragon, j'attaquerai celle-là pour remplacer le dragon. Voilà. Alors, je sais que celle-là, alors, comme elle dit, c'est gris 1 du projet. Alors, attendez, ça veut dire quoi ça? Je vais regarder si je peux le traduire. Allez. Traduction. Traduction. Ah, ben, j'ai pas la traduction, mince. Ah, je peux pas traduire. C'est un an The Woods, W-2-O-D-S. Donc, je regarderai moi après ce que ça veut dire. Donc, il y a 12 grilles en tout. Et
6 du projet. Ouais, c'est pas. Vous voyez, là, c'est la numéro 6. On aurait dit. Ah, lui, à la rigueur, le Jack Rabbit, c'est le numéro 3. Bon, il est rigolo, lui. Voyez. Oh, ses oreilles. Ils n'ont pas raté les oreilles. Non. Ah, bah attendez, il y a une image avec. Ah non, non, non. Ah, bah non, ça n'a rien à voir. Je comprends rien. Je comprends pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il y en a 12, mais il n'y a pas le renard dedans. Je comprends pas. Vous voyez? Là, il y a les 12. Mais ça n'a pas tout compris, moi. Ouais, il y a plusieurs collections, alors. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs collections. Donc, c'est des collections de 12 grilles à chaque fois. Donc, là, c'est ce que je viens de vous montrer, la grande, là où il y a les 12. Donc, c'est la The Snowman Collector Series. Voilà. Et là, il y a le Postman, donc le facteur. Ouais. Ah, voilà, celle-là. Voilà, celle-là, elle fait partie du renard. Celle-là est jolie, j'aime bien. Bon, je ne vais pas vous montrer ça pendant 2 heures quand même. Oh, celle-là, elle est belle. Ouais, bah voilà, ça, c'est celle qui fait partie avec le renard. Elle est jolie, celle-là. Très belle. Bah, attendez, du coup, je regarde. Non, ça, c'est l'autre série. Oh, c'est bête, ils auraient dû faire une page avec. Non, ça, c'est encore. Là, voilà, celle-là, elle fait partie de la série avec le renard. Voilà, bon, bah, en tout, il y en a 12, hein, et il y a plusieurs séries. Du coup, ouais, il y a plusieurs, il y a deux séries, je crois. Là aussi, ça fait partie du renard. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon, on va pas s'en sortir. Tout ça pour vous dire que donc le renard, quand j'aurai terminé mon dragon, bah, je pense faire le renard à la place, mais bon, on verra. Et du coup, il va falloir que je regarde parce que. Ah, oui, voilà, ouais, c'est ça, il y a plusieurs séries. Ouais, il y a une série sur les oiseaux, il y a une série sur. Ah, ouais, non, il y a plusieurs séries. Là, j'en vois déjà 3, 4. Ouais. Mais bon, c'est des grilles qui sont à 11 euros. Juste la grille. Donc là, faire les séries complètes, ça revient quand même assez cher. Elle est même à 12 euros. Voilà, donc non, je pense pas que je ferai la série parce que là c'est trop trop gros, ça reviendrait vraiment trop cher. Là, il y a même un clown dans la série du. Ah non, non, c'est pas le pareil. Enfin, soit, j'arrête. Donc voilà, ben, écoutez, niveau broderie, je crois que je vous ai tout dit. J'avais noté. Oui, voilà.
Je me fais une pause de 2 minutes pendant qu'ils sont sages. Juste pour boire un petit verre de thé pêche parce que j'attends la soif. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Me revoilà. J'ai profité en même temps pour ranger un petit peu tout ce qui était broderie pour avoir un peu de place. Un jour, je vous fais une photo comme ça pour vous montrer pendant que je fais la vidéo comment c'est autour de moi. La prochaine vidéo, je vous ferai une photo. Alors, maintenant, donc ceux qui n'aiment pas le tricot et le crochet, malheureusement, vous pouvez soit rester, soit partir. Hein. Faites ce que vous voulez. Voilà, c'est pour ça que maintenant je mets des chapitres dans les vidéos. Comme ça, vous pouvez choisir les moments de la vidéo qui vous intéressent. Malgré que je fais une petite aparté, que cette semaine, justement, le dernier journal créatif, alors il y a 15 jours, j'avais dit waouh, c'est super, vous avez tout fait péter, niveau commentaires, tout. Mais cette fois-ci, donc le journal créatif de la semaine dernière, 23 commentaires. Bon, c'est bien. C'est déjà bien, mais je veux dire, il y en avait une 23. Je dis toujours que c'est pas beaucoup parce qu'il y a quand même eu 102 j'aime. Voilà. Et avec 725 vues. C'est ça que je comprends pas. Alors, il se peut aussi qu'il y a des gens. Bon, il clique sur la vidéo, il voit les deux, trois premières secondes. Oh, non, elle a une sale tronche, je la regarde pas. Hop, ils s'en vont, mais ça fait un vu. Ça fait un vu quand même. Voilà. Les commentaires, bon, moi c'est pareil, je regarde beaucoup. Enfin, quand c'est le soir, hein. La journée, je regarde sur l'ordi. Des fois en brodant, parce que Chouchou regarde des fois des séries à la télé. Bon, on regarde énormément de séries. Mais il y a des séries que moi j'aime pas. Alors maintenant il a l'habitude. Il fait, tu peux sortir tes écouteurs et mettre YouTube. Donc je sais que c'est une série que je vais pas aimer. Donc dans ce cas-là, je regarde sur mon ordi. Mais les trois quarts du temps, le soir, quand il n'y a rien à la télé, c'est-à-dire presque toujours, je regarde YouTube. Et c'est vrai que, à part mettre cliquer sur j'aime sur la télé, ça on peut, mais mettre des commentaires, on ne peut pas. Voilà. Ou alors, ce que je fais, j'ai mon téléphone ou ma tablette en même temps, et si je veux mettre un commentaire, je le mets en regardant la télé, mais je mets. Voilà. Donc, je sais qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui regardent sur la télé, donc toujours compliqué de mettre des commentaires. D'ailleurs, là, j'ai pas fini de répondre à tout le monde parce que j'ai quand même eu. C'est pour ça que je vous dis, c'est là, il y en a eu 23, mais sur toutes les vidéos de la semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Depuis une semaine, 10 jours, j'ai quand même eu beaucoup de commentaires sous des vidéos. Voilà. Donc, mais là, j'ai pas tout à fait fini de répondre à tout le monde. Je vais rattraper. Allez, j'arrête de blablater. Alors, tricot, c'est pas terrible. Ça n'a pas été terrible cette semaine. Bon, par manque de temps, par fatigue également, parce que le tricot, c'est surtout le soir. Et je vous dis, là, comme j'ai des antidouleurs en ce moment à prendre, bah, ça casse un peu, hein, les antidouleurs. Donc, voilà. Niveau tricot, c'est pas. Pas le top, mais certaines d'entre vous vont être contentes parce que j'ai quand même avancé un peu le débardeur de Chouchou. Je vous le montre après. Allez, la couverture météo. Alors, celle de l'année dernière, j'ai avancé un peu, mais bon,
j'ai avancé en montant ma vidéo, donc c'est la seule fois où je l'ai sortie. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier? Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Oui, pas beaucoup. J'ai avancé 3 jours. J'avais dit que j'essaierais de faire jusqu'au 12 novembre. J'ai fait le 5, le 6, le 7. Bon, on va y arriver, hein. Il reste un mois et 3 semaines à faire. Mais bon. Alors, il est où le bout? Il est où le bout? Il est où? Non, mais c'est rien, c'est pas grave. Je refais la chanson de... Comment il s'appelle? Je sais même pas comment il s'appelle, lui. J'ai beaucoup de mal à retenir les noms des acteurs, des chanteurs, tout ça. Du coup, je viens de transformer la chanson, mais je sais même plus ce que c'est. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà ce que j'ai avancé. C'est pas énorme, mais bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même sur 200 mailles. Donc, et c'est du double rang. Donc, ça fait 6 rangs de 200 mailles. Donc, il y a quand même 2, 4, 6, 8. 10. Attendez, oui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait quoi ça? 1200 mailles? Ouais, ça doit être ça. Hein. Donc j'ai quand même fait 1000. Oh, j'en sais rien. À 11h du soir, la tête, elle fonctionne plus. Oh. J'ai fait donc sur 200 mailles 6 rangs, donc 3 jours. Voilà. Donc vous voyez, là, depuis alors, début de septembre, il était où? Il était là. Octobre. Début d'octobre, il était là, vous voyez. Arrivé à la moitié octobre, là, bleu, 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 et novembre, on reste encore sur le bleu, hein, vous voyez. C'est comme cette année, ici en février, je suis beaucoup bleue. Mais bon, donc voilà. Oh. Elle commence à... Voilà. Alors pour ceux qui arrivent en cours de route, ça c'est la moitié, c'est la deuxième moitié de l'année 2023. Là, de ce côté-là, j'ai commencé le 2 juillet, le premier rang. Et donc là, je suis arrivée au... Je vous ai dit au 7, hein, je crois, ouais, au 7 novembre. Voilà. Et la deuxième partie, la deuxième couverture, elle a commencé au 1er janvier, bien sûr, et jusqu'au 1er juillet. Voilà. Et donc, comme j'avais déjà expliqué... Quand les deux couvertures, donc quand celle-là sera terminée, je vais réunir les deux et faire après une bordure tout autour. Ça va être long par contre, mais il faut que je le fasse. Voilà, pour que ce soit plus joli au niveau des finitions. Donc, il y en a encore quand même pour un petit moment sur cette couverture. Mais bon, ça va. J'aime bien quand même les couleurs que ça fait, vous voyez, comme ça quand on le met en escargot, ça fait trop trop beau, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la couverture 2023 qui avance petit à petit, mais qui avance. Donc là, quand je vais monter la vidéo demain matin, elle va encore avancer. Et j'espère que je pourrai l'avancer un peu plus quand même. Hop.
La couverture, alors là, elle n'est pas dans son sac parce que je l'ai terminée. Enfin, j'ai terminé. J'ai fait mon rang du jour tout à l'heure. Donc, elle est à jour. Je fais pour la garder à jour. Je veux surtout pas. C'est quoi ça? Un nœud. Je vois pourquoi il y a un nœud. Je ne veux surtout pas prendre de retard sur celle-là. Parce que là, sinon, je ne m'en sortirai plus. Alors, je vous montre ça. Hop, je la plie pour c'est plus pratique pour vous la montrer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de bleu. On a eu du vert. Une journée en vert. C'est comme je vous disais tout à l'heure sur la broderie météo. C'est la journée où on a eu 16 degrés. Donc, avant-hier, ou je ne sais plus. Voilà. Donc celle-ci, alors celle-ci, bon, c'est pas que j'aime pas, mais je sais pas si j'aurais dû faire comme ça, mais bon, parce qu'on voit pas, je trouve, je vois pas beaucoup la différence. Bon, là cette semaine j'ai tout fait en bride. Alors on va déplier, on verra mieux. J'ai tout fait en bride cette semaine. Moi, si quand c'est déplié, ça se voit mieux. La semaine dernière, c'était de la maille serrée. La semaine d'avant, de la bride, maille serrée, bride, etc. Voilà. Mais elle est beaucoup plus, voyez, par rapport à l'autre qui n'est faite qu'en maille serrée. Celle-là, elle est beaucoup plus souple. Plus, voilà. Mais bon. Ce sera une couverture d'été. Et voilà, bon là pour l'instant on n'en est encore qu'au début, hein. Là bon, on a déjà, ça nous fait déjà combien de centimètres? Je vais vous dire ça. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des petits défauts, mais c'est des fois c'est des petits nœuds ou une maille que j'ai un peu moins serrée ou alors. Alors, à vue de nez, parce que là, je ne suis pas vraiment à plat, je suis environ à 37 cm depuis le mois de janvier. Voilà. Donc, moi, j'avais calculé qu'elle ferait dans les 3 mètres, normalement. Alors, est-ce que je vais la faire en deux parties ou une seule partie? Ça, j'en sais rien encore, mais bon. Arrivé au mois de juillet, je verrai si comment aller et on verra à ce moment-là si on fait en deux parties ou si on fait qu'une seule couverture. Voilà. Alors, je vais la remettre dans son sac du coup. Voilà. Enfin, j'enlève des pelotes parce que les pelotes pour l'été sont dedans aussi. Et ça sert à rien pour l'instant. Il faudrait que je les remette en haut dans ma tricothèque en attendant. Voilà. La saucisse. Ah oui, la vidéo va être moins longue aujourd'hui. Je pense. Alors. Niveau tricot, pas top du tout. Mais je vous dis, j'ai pas pu faire vraiment ce que je voulais. Alors, chouchou, il est où chouchou? Il est là, chouchou. Bon, j'ai pas avancé énorme, hein. Je n'ai pas avancé énorme. Mais j'ai fait. Alors, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 6 ou 7 rangs. Voilà. Oh. Attendez, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait ici.
On dirait pas, hein, mais il y a quand même 6-7 ans, là. Bon, ça avance. On rigole pas derrière son écran. Chouchou aura son pull pour le printemps. Promis juré. Craché. Je lui ai dit tout à l'heure, je dis t'inquiète pas, pour le printemps, tu auras ton pull. Il a rigolé, mais bon. Donc, voilà. Et moi qui voulais lui en faire un deuxième, puisque j'ai la laine pour faire un deuxième dans une autre couleur, mais je crois que je vais essayer de. Mais c'est parce que bon, là, c'est des pulls pour de demi-saison, on va dire, hein, les débardeurs, tout ça. Donc, on ne peut pas non plus les faire en très grosse laine. L'année dernière, je lui ai fait un débardeur en laine plus épaisse. Ben, il ne met jamais. Toute façon, voilà pourquoi je ne cours pas. Je lui ai fait. Alors, il a un gros pull qu'il ne met jamais. Le débardeur en laine plus épaisse, il ne le met jamais. Il a un pull style un peu camionneur avec les boutons, vous savez, les boutons en cuir là, avec une lanière, je sais, ça a un nom, ça, je ne sais plus. Il ne le met jamais. Il a un gilet zippé, il ne met jamais. Donc, alors là, je lui ai dit, je te fais celui-là, mais si tu ne le mets jamais, je ne t'en fais plus. Ah oui, c'est pas la peine, hein, faire des pulls pour qu'ils restent dans l'armoire, c'est pas la peine non plus. Mais bon, je sais pas, il aime bien, mais ce qui est au magasin, ce qui est fait main. Ça devrait être le contraire. Et pour. Ah, les hommes, je vous jure. Mais gentil, mon chouchou. Donc voilà. Ça avance petit à petit. J'ai travaillé dessus cette semaine. Mon pull fil d'art, j'ai pas avancé. J'ai rien fait dessus. J'ai pas eu le temps. Donc, j'ai pas eu le temps de travailler sur le pull fil d'art. Et ici, alors, là, vous allez voir, il est merde, haut, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Je l'ai sorti hier. Et vous voyez, bon, là, c'est pas bien de le laisser comme ça, parce que ça peut faire des trous. Enfin, pas des trous, mais des relâches. J'ai voulu attaquer le fer hier, mais bon, maintenant ça y est, j'arrive dans le plastron. Dans le plastron, donc il y a les côtes oui, les côtes qui vont partir comme ça de chaque côté. Il y en a qui restent droite devant, et il y a les augmentations qui se font là, comme ça. Voilà, d'ici et ça. De chaque côté, vous savez, comme en pointe. Et du coup, je commence tout. J'arrive au moment de l'augmentation. Mais alors, pourtant, c'est simple. Je sais pas, ma tête a vrillé ou j'en sais rien. Mais j'ai rien compris. Je me suis dit, mais comment je fais? Parce que comme il y a des. Bon, c'est un dessin très simple. Si je fais une augmentation entre la côte là et puis le point arrière, ça va se dévier, ça va. Du coup, hier, j'ai complètement vrillé dans ma tête. J'ai dit, je comprends rien. Si j'y pense, je vous mettrai l'image de là où il y a les augmentations. Vous allez voir. Mais j'ai strictement rien compris. Et pourtant, je sais que c'est simple. Mais là, j'ai complètement vrillé. J'ai dit, mince, je ne suis pas plus bête qu'une autre.
J'ai fait des pulls à torsades et ceci et cela. Donc là, c'est de la cote, c'est tout. Mais j'arrive pas à comprendre. Je mets l'augmentation, mais sur le schéma, il y a la petite flèche qui dit là, il faut faire une augmentation. Mais tout le dessin, il reste toujours pareil. J'ai du mal à vous expliquer parce que j'arrive pas à comprendre moi-même. Et du coup, hier, ma tête a vrillé. Je fais stop, stop, stop. Tu refermes. Alors, j'ai même pas fini mon rang parce que là, je suis arrivée au moment de l'augmentation. J'ai dit là, stop, parce que je vais faire des bêtises. Je vais le reprendre à tête reposée. Peut-être dans la journée au lieu de le faire le soir pour faire ces fameuses augmentations parce que faire partir les côtes là comme ça, je vous dis, ça part de chaque côté comme ça et au milieu il y en a qui restent droites. Ça, ok, j'ai compris, il n'y a rien de sorcier, mais je n'arrive pas à mettre mon augmentation, je comprends pas comment la placer. Parce que si je la place dans ma tête, je réfléchis, je dis ben oui, mais ma côte elle va se décaler et j'arrive pas. Je vous dis, il y a des jours, j'ai envie d'arrêter le tricot. Je vous jure, il y a des jours, je me dis, j'arrête le tricot. Pourtant, je fais des trucs, je fais des choses simples parce que je veux pas me prendre la tête. Et avec un truc simple, j'arrive à me prendre la tête. Donc, je sais pas. Donc, je vous ai mis le dessin. Alors, s'il y en a qui arrivent à me, ou alors, s'il y en a qui arrivent à me l'expliquer en mot d'enfant, en mode maternel, parce que là, je sais pas, j'ai vrillé. Alors, est-ce que c'est les médicaments qui m'ont fait vriller dans mon tricot ou quoi, j'en sais rien, mais là j'ai pas capté, j'arrive pas à capter. J'ai mes côtes, je fais une augmentation, et sur le dessin je vois il y a aucun décalage. Donc ma belle-fille tout à l'heure, je lui ai montré aussi, elle fait pas de tricot, elle fait quand elle en fait, elle fait de la broderie ou du crochet. Elle fait pas de tricot. Et elle m'a dit, bah si, regarde, c'est simple, c'est comme ci, comme ça, comme ça. A pas tout compris, moi. Donc là, je vais laisser le cerveau se remettre d'aplomb. Peut-être que j'y toucherai pas cette semaine, j'en sais rien, je verrai. Mais faut que je comprenne pourquoi, comment l'augmentation, elle se met, les augmentations se mettent. Voilà, parce que là, Lilith, elle n'a pas compris. Pourtant, Lilith n'est pas bête. Mais là, non, là, ça a disjoncté. Mais bon, on va y arriver. Ouais. Du coup, niveau tricot, bah, c'est tout. C'est tout, et on va se faire la petite conclusion. Alors, écoutez, niveau conclusion, déjà j'espère que la vidéo vous aura plu. Et qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Bon, on prend les mêmes et on recommence, hein, de toute façon. Sauf qu'il va y avoir des petites choses en plus. Mais bon, alors, de toute façon, niveau broderie, il y aura toujours mon. Alors, j'arriverai pas à le finir, mais ce serait bien si je finissais mon dragon, mais bon. Alors, le dragon, ma grenouille, mes hérons, le Old Forest de. Ah non, non, celui-là, non. Je l'ai marqué, mais non, je suis à jour. Je vais le barrer après. Celui-là, je ne l'ai pas à faire la semaine prochaine, puisque j'ai fait mes 1000 points.
Ça va me permettre d'avancer sur les autres. Je vais essayer de finir les 1000 points du Alice au pays des merveilles. Voilà. Après, j'ai la maison météo. Donc, ma maison météo, je vais essayer de finir les boiseries de toute ma ligne du haut, déjà. Faire redescendre le mur, comme ça on voit bien que c'est délimité. Je vais essayer déjà de faire ça, plus mes couleurs, température, bien sûr, de la semaine. Et je voudrais bien essayer de refaire un petit bout du toit, mais du coup, celui que j'ai pas encore fait. Comme ça, ça va se broder, se broder, se broder, se broder. Oui, ça va se rejoindre. Ça va faire Pac-Man. Je me fatigue toute seule. Après le sale mystère, donc je vais essayer de terminer l'étape 4. Ça va être juste, mais on va essayer. Ah oui, celle-là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai rien fait dessus. Le sale du Nouvel An. Voilà, c'est celui-là que j'ai oublié, mais j'ai pas travaillé dessus cette semaine. Donc là, je vais en faire cette semaine. Mon Bouddha, toujours. Ma carotte. Feuillage de ma carotte. Essayer d'avancer, hein. Si je pouvais le finir. Oh mon Dieu. Je vous jure, je danse autour de la table si je termine ma carotte. Et ensuite, donc on sera que je vais essayer d'attaquer, mais bon, ça je le ferai peut-être aussi en vidéo. La dame Steampunk bleue, voilà. Donc, ça je vais le faire par contre sur une toile Easy Count, voilà, que je vous ai présenté. Sur la précédente vidéo de la vidéo de mère en fille, voilà. Donc ça, je vais le faire sur une toile Easy Count. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ben, mes pans royaux. Du coup, je vais démonter ce qui a été fait et reprendre au bon endroit. Je vais d'abord essayer de remettre la grille, bien remettre la grille sur, sur le logiciel le Pattern Keeper. Excusez-moi, là, je cherche mes mots. Donc, bah, niveau broderie, je crois que ce sera bon. Si j'arrive à faire tout, ce sera déjà bien, hein. En sachant que déjà lundi matin, on n'est pas là. Lundi matin, on n'est pas là. Et après, le reste de la semaine, ça doit aller. Ouais, le reste de la semaine, normalement, c'est bon. Donc, il n'y a que lundi matin où je pourrais rien faire. Mais bon. Niveau tricot, bah, j'ai marqué les trois pulls. Donc, le tricot débardeur de chouchou, mon pull fil d'art et le pull camionneur. Mais je vous dis, le pull camionneur, je vais peut-être laisser passer une semaine, le temps que ça se décante là-dedans. et avancer un maximum le pull fil d'art et essayer d'avancer un max aussi le pull de chouchou. Parce que je voudrais bien aussi que ce soit terminé. Pull de chouchou, de toute façon, une fois que j'ai fini le devant, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, après, j'ai plus que les côtes. Des emmanchures et le col à faire. Après, hop, c'est fini, basta. Et je lui enfile. Voilà. J'y tu le mets. donc le débardeur, ouais, je suis sur le devant maintenant. Donc là, c'est de la laine un peu plus épaisse, donc ça monte plus vite. Donc voilà. Et là, j'ai un plastron à faire sur celui-là aussi.
J'espère que je vais le réussir parce que je ne tricote jamais les trou-trous. Je vous dis, moi, je reste simple. Hein. Je vous dis, à part des torsades, des côtes, des motifs. Voilà, j'ai fait des pulls. Je me rappelle que quand mes enfants étaient petits, ils n'étaient pas grands. j'aimais bien les habiller pareil. Deux garçons, une fille, j'aimais bien les habiller pareil, les trois. Et j'avais tricoté les trois gilets pareil. Alors ça, c'est étonnant de moi aussi parce que je n'aime pas faire plusieurs fois la même chose. Tout au moins même deux fois la même chose, je n'aime pas ça. Et là, je l'avais fait trois fois. Bon, c'était pas dans les mêmes tailles du coup, mais c'était trois pulls avec des torsades dans tous les sens. Bleu roi, je me rappelle. Voilà. Je sais faire des choses à peu près compliquées. Mais là, le plastron sur le pull Flida, c'est des trou-trous. Et ça, les trou-trous, on n'est pas copains. Mais bon, on verra. On verra. Ensuite, donc il y aura les avancer ma couverture météo 2023. Et faire ma semaine, donc là je vais faire chaque jour de ma couverture 2024. Voilà. Ensuite, je vais préparer le nouveau DP. Voilà. J'ai encore des DIY en diamond painting à faire. Voilà, j'ai aussi deux petits DP partiels. Ah, moins que. Ah, peut-être. Au lieu de reprendre tout de suite celui-là DP, que je fais un des deux DP partiels que j'ai, pour dire de changer, de casser un petit peu, de changer. Je sais pas, je vais réfléchir. Bah, vous verrez bien dimanche prochain ce que j'aurai fait. Voilà. oui, je ferai peut-être ça. Je verrai bien. Puis je pense que c'est tout. Ouais. Ah, mais ma broderie, la dame steampunk bleue, faut que je vois si je la commence cette semaine parce que je n'ai pas fini de trier les fils. Donc j'ai pas fini de trier les fils et je les ai pas bobinés encore tous. Ouais, non, elle sera peut-être pas commencée cette semaine, alors ma steampunk, je pense pas, bon, on verra ça, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Un grand tour, bon, je sais qu'il y en a encore qui vont dire, oh, mais comment tu fais. Ouais, je sais. Mais bon, je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, mais il faut savoir que je ne travaille pas, donc ça aide hein. Déjà. C'est pas par choix, hein. C'est pas pour raison médicale. Ici à la maison, bon, j'ai là, c'est moi qui aide Chouchou de temps en temps pour le ménage. Parce que moi, je ne peux pas faire du gros, gros ménage. Voilà. J'ai du temps. Voilà, j'ai du temps. À part aller faire les courses, aller à la boulangerie, des choses comme ça. Voilà, après le reste du temps, ben, je suis là. Donc, j'ai du temps pour faire tout ça. Voilà. Et là, bon, cette semaine, ça va être assez calme. Pas de rendez-vous, je vous dis à part lundi matin qu'on n'est pas là, mais sinon voilà, ça devrait aller. Et ben écoutez, je ne sais plus à combien on est de vidéos parce que là je l'ai faite en deux morceaux, j'avais coupé, donc je sais plus à combien de minutes on est. J'attends tous vos commentaires, n'hésitez pas, lâchez-vous, hein, allez-y.
Et vos poupousses, surtout, un petit poupousse. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous, vous dire qu'on se retrouve très bientôt, déjà la semaine prochaine pour le journal créatif, lundi pour le lundi c'est unboxing. Il y en aura peut-être qu'un seul, je pense, parce que là c'est Nouvel An chinois. Donc les colis, on n'arrive pas en ce moment. J'ai bien peur qu'ils arrivent tous en même temps après leurs vacances. Mais là, toutes les boutiques sont en vacances. Donc si vous avez passé justement des commandes sur les sites chinois, tout ça, vous inquiétez pas, c'est Nouvel An chinois, donc ça marche, ça fonctionne au ralenti. Donc lundi, il n'y aura peut-être qu'un seul unboxing. Il y aura une vidéo revue tricot crochet. Voilà les deux nouvelles revues que j'ai eues. Je vous fais une revue dessus pour vous montrer ce qu'il y a dedans, comme d'habitude. Et après, bah, je crois que c'est bon. Enfin, c'est bon, non, il y aura d'autres vidéos, mais voilà. C'est le principal pour l'instant. Allez, je vous laisse. Je vais vous faire plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.